L'émir Mohamed bin Abd al-Karim al-Khattabi est le fondateur de la première République d'Afrique du Nord. Il est né en 1882 à Ejdir, dans les montagnes du Rif. À Melilla, il a exercé comme enseignant puis comme traducteur et journaliste. En 1913, il est nommé juge dans la même ville. Un an plus tard, il est promis au poste de juge en chef. Jusqu'en 1915, el-Khattabi est convaincu de la cohabitation pacifique avec les colonisateurs espagnols. Mais cette année-là, il est fait prisonnier pour avoir soutenu les Ottomans durant la Première Guerre mondiale et cette détention marquera un tournant au niveau de sa conscience politique. El-Khattabi commence en effet à mobiliser les tribus autour de lui. Le 22 juillet 1921, les Espagnols subissent une défaite historique lors de la bataille d'Anuel. 15 000 soldats espagnols sont tués et 570 sont faits captifs. Je connais peu de choses sur les circonstances de la mort du général Silvestre, tombé rapidement sur le champ de bataille. Un jeune Rifain vint vers moi pour m'informer qu'il avait découvert le corps sans vie d'un général au milieu des cadavres de ses officiers. Il me remit sa bretelle et ses insignes. De retour sur le terrain et sur ses indications, je reconnus le corps du général. L'édification de la République du Rif. En 1921, l'émir publie une déclaration annonçant la création de la première République d'Afrique du Nord. Nous sommes le gouvernement de la République du Rif, créée en juillet 1921. Nous tenons à informer les États signataires du traité d'Algésiras en 1906 que leurs ambitions ne pourront aboutir. L'histoire le leur a bien prouvé ces derniers jours. Ils sont dans l'erreur s'ils considèrent que le Rif fait partie du Maroc. Géographiquement, notre République fait partie de l'Afrique. Notre langue est singulièrement différente de toutes les autres. El-Khattabi fera d'Ajdir le centre de sa République du Rif et il refusera de prendre le titre de sultan, préférant celui d'émir. Les institutions de la République du Rif étaient constituées du gouvernement, dirigé par l'émir, ainsi qu'une assemblée nationale, un parlement, composé de représentants et de porte-parole tribaux. Quant au gouvernement, il était constitué de 7 ministères. Une délégation générale de l'émir, les finances, la justice, l'éducation, les affaires étrangères, l'intérieur et la guerre. Selon un recensement traditionnel mené durant la guerre du Rif, la République s'étendait à 18 tribus avec 3 millions d'habitants. Les Français et les Espagnols sont de plus en plus gênés par l'influence et la puissance de la République de Rif. Et ils décident de converger leurs efforts pour éliminer l'émir. Mais el-Khattabi résiste face aux opérations militaires franco-espagnoles. Après les attaques chimiques espagnoles sur le Rif, il abdique afin de préserver la vie de sa population locale. El-Khattabi est exilé à La Réunion avec sa famille et certains de ses militants avant de réussir à s'échapper vers l'Égypte. C'est là-bas qu'il fonde et préside le Comité de libération du Maghreb arabe en 1947. Mohamed bin Abd al-Karim el-Khattabi est mort au Caire le 6 février 1963. Ses obsèques se feront là-bas où il est inhumé dans le cimetière des martyrs. Ils ont dit de lui. Mes chers camarades, vous venez me rendre visite au sujet de la guerre de libération populaire, alors que dans votre histoire moderne, Mohamed bin Abd al-Karim al-Khattabi a été l'un des piliers des stratégies dont j'ai appris les bases de la guérilla. Al-Khattabi n'est ni un rebelle qui cherche à atteindre le roi, ni un avocat, ni un messager pour réformer. C'est un patriote qui libère sa terre et s'oppose à l'hégémonie étrangère. De nouvelles forces sociales ont émergé et réalisé des révolutions pour l'équité au sein de la société, l'unification du pays et la modernisation des pouvoirs. Nous venons d'assister à la victoire d'un peuple, considéré par plusieurs comme anormal, alors qu'il a souffert de l'hégémonie militaire espagnole dont l'armée a été chassée. L'équilibre des forces au Maroc a changé au détriment des impérialistes qui l'occupaient. Nous ne sommes plus face à une petite guerre de libération de 3 millions d'hommes, mais nous sommes confrontés à des nations musulmanes dont les peuples se comptent en dizaines de millions.